désir croupit. Junon m'appelle en fin de journée. Mais qu'est-ce que tu fais à Villerville? Tu seras pas là pour l'anniversaire de Michel, si je comprends bien. Ah, c'est quand déjà? Mais c'est samedi soir. Oh, possible que je sois rentré, hein. Elle serait déçue que tu sois pas là. Oui, je sais, je devrais pas te dire ça. Junon, je... Tu sais pas très bien ce qui t'arrive, oui, j'ai bien compris. Quelque chose comme ça. Tu écris au moins? Bon, je prends des notes. Dis à Michel que je pense très fort à elle. Je lui dirai. Fais attention à toi. Et puis je te tiens au courant pour samedi. Je vous embrasse toutes les deux. Michel. Que je le reconnaisse ordinairement ou non, j'ai tout fait pour que se tisse un lien privilégié entre cette petite fille et moi. Oh, ce fut d'abord imperceptible, mû probablement par un sentiment de culpabilité. Et puis j'ai glissé. Je peux même situer le jour exact où j'ai reconnu que j'étais pris dans cet écheveau d'amour. C'était en juin, il y a 2 ans. Junon avait été appelée d'urgence par l'hôpital Trousseau. Michel venait de faire une crise de convulsion qui avait terrifié sa nounou. J'ai rejoint Junon dans le 12e arrondissement. Nous avons traversé le service des urgences à pas de course, jusqu'à une petite pièce où se trouvait un lit profond au rebord de plexiglas. Michel n'a pas tendu les bras vers sa mère. Non, elle a commencé par inspecter son visage pour savoir quoi penser de l'effervescence inquiétante dont avait été faite sa journée. Junon et moi avons composé un visage radieux. Il était pourtant parfaitement insupportable de voir ce petit corps démuni, cerné de sondes jusque sur le crâne. Une découverte pour moi. Je veux dire ressentie, traversée, et non plus simplement pensée, envisagée dans le vide. La pire des finitudes possibles était nichée dans cette image-là. Michel, se tenant sage dans une pièce des urgences d'un hôpital. Si cette vision me poursuit aujourd'hui encore, s'il m'arrive de cauchemarder toutes sortes de choses impliquant Michel, c'est ce jour-là que j'ai dû rendre les armes et admettre que quelque chose me tient auprès de cet enfant contre quoi je ne pourrais rien. Oui, j'ai rendu les armes en espérant que jamais cet amour ne pèsera sur elle, elle qui n'a rien choisi, mais devra vaille que vaille faire avec. Et bien sûr, il me faudra lui dire un jour. Michel est l'enfant de sa mère, mais elle est également l'enfant que je n'ai pas eu. Vers 20h, je me suis servi un verre de blanc. J'ai eu envie d'écouter Victoria de Caisse Jarrette. Cafard immédiat, je me suis rabattu sur Coltrane, My Favorite Things. Boire, boire, et flotter sur ma vie. Infâme sentiment de solitude. Cette solitude que je suis pourtant capable de défendre bec et ongles quand on s'en étonne. Je voudrais savoir d'où cela vient, cet état de mon fait, un état de la solitude endurcie depuis Junon. Et d'où vient ce courage subi ou consenti qu'il faut pour vivre sans le divertissement, l'enchantement et l'encombrement de l'autre? Intuition déjà maintes fois confirmée que cette solitude est partie pour durer. Fuir au combat, d'étaler dans la nuit chevauchée. Puisque nous ne sommes pas prêts à lever des armées.
à vivre de vertige sur des cimes acérées. Battre en retraite, abandonner sur le champ nos idées galoper. Ne plus croiser le fer, laisser dire et laisser faire, tout lâcher. Ne pas être le prochain que la balle va faucher. Oublier son prochain, fuir sans se retourner, fuir sans se retourner. Au point du jour arrivé, sous des cieux dégagés, s'arrêter. Se dire qu'on ne peut rien faire, ni faire machine arrière. Fuir au combat, oublier, sous la pluie arrosée, tous ceux qui sont tombés. Ne pas être le prochain que la balle va coucher. Oublier en chemin qu'un beau salaud est né. Ne pas être le prochain que la balle va faucher. Oublier son prochain, fuir sans se retourner. Fuir sans se retourner. Fuir sans se retourner. Octobre 2011. Arrêté aujourd'hui par cette phrase de Duras dans Écrire, on ne trouve pas la solitude, on la fait. Ma vie ici. Oh, il m'arrive de connaître des moments d'allégresse depuis que je suis à Villerville, qui viennent généralement se nicher dans les transitions. Voir la plage se peupler de promeneurs le week-end, et puis la retrouver désertée le dimanche soir. Le village devient alors fantomatique, je suis seul d'entre toutes ces bâtisses barricadées à contempler la marée dans sa mécanique indifférente au nombre de témoins. Impression d'un obscur privilège. Jusqu'à ce que la fin de semaine ranime la côte, alors les cerfs-volants bariolés et les cris des enfants volent de nouveau la vedette. Et puis bien sûr, il y a toujours un mauvais moment à passer, vers 19h, 19h30, sans doute l'entrée dans la nuit qui annonce ce à quoi j'ai toujours répugné, la perspective du sommeil, et qui épaissit la solitude. L'alcool m'aide. Assommé, je cède. Lorsque je me suis ainsi abruti plusieurs soirs de suite, je m'efforce de réduire les quantités les jours suivants et je me retourne dans le lit sans fin. Je tente parfois aussi de solliciter l'anesthésie en allant marcher sur le front de mer. Paris, si loin pour le moment. Paris et ma vie après Junon. 5 années à fuir mon désert, m'essouffler, écumant la nuit, les barres triées sur le volet, à l'affût de la moindre apparition qui saurait me rendre à l'espoir que j'avais initialement placé dans cette vie urbaine, nouvelle, ample, censément inépuisable. 5 années à accumuler les rencontres nocturnes, me laissant glisser dans cet état second qui fait que l'on ne compte même plus les heures, ni les verres de bière, ni les raisons qui dissuadent de rentrer cuvée. Et je trouvais passionnant, moi, à partir d'un certain taux d'alcoolémie vite atteint, ces échanges de rien ou de tout. Parce que pendant ce temps-là, je n'avais pas à affronter autre chose. C'était toujours ça de prix. Quand bien même mes compagnons n'étaient que de fortune, bon, je finissais par bien les connaître de soir en soir. Je les trouvais attachants. Je leur étais attaché par la force de l'habitude. Une bienheureuse habitude. Au final, je n'aurais troqué pour rien au monde ces fréquentations de circonstances, qui ne l'étaient d'ailleurs plus, puisque c'était là
ma famille élective, aussi peu élue qu'une famille biologique, juste héritée de mon passage par là. Et ce n'était pas tant du bon temps que nous passions ensemble, mais du temps tout court, traquant le même oubli, l'oubli de quelque chose de trop empesé, de trop décevant déjà. Alors, on s'occupait à plus futile, ensemble. On singeait de refaire le monde, ensemble. Rien ne pouvait être grave, tout était branché très fort, mais si peu grave. Et ce faisant, il y avait ces regards rivés sur quelques visages repérés de soir en soir, tantôt absents, tantôt apparus inopinément, ou fidèlement à sa place à notre arrivée, de ces visages que nous mangions à plein regard, avant même qu'un rapprochement ne s'opère, promesse d'une prolongation, d'une histoire, d'une fin de nuit peau contre peau. On resterait amis, on se quitte vite fait, et le soir venu, de nouveau, l'espoir que la grande ville tienne ses promesses. L'être providentiel, je me prenais à penser que rien d'autre que ça ne valait. L'attendre sagement, patiemment, la remplaçante. Et puis parfois la flemme, parce que rien ni personne ne venait, alors je rentrais. Mais toujours, je repartais le lendemain soir, sur les coups de 21h, dans un même mouvement de fuite, de désir, de sabordage et de vie. Alors que s'est-il passé, 5 ans après? Pourquoi ne plus vouloir provoquer Paris, lui extorquer des miracles ou le simple soulagement de l'ivresse commune? À présent, l'ivresse seule, l'oubli seul. Que s'est-il passé pour que la déréliction s'enraye, pour que je m'éloigne du courant sans préavis et décide de m'enfermer dans un autre âge, advienne que pourra, qu'on vienne m'y chercher et m'y aimer? Que s'est-il passé? Je suis seul ici à Villerville et eux, ils continuent à boire probablement, à parler de tout et de rien, à s'embrasser, à baiser, à s'aimer, à se manquer, mais à se supporter mieux ainsi. Et Junon, aussi loin que Paris, Junon a moins disparu. Je ne sortirai pas bientôt, non. Et l'ombre me fait un manteau long. L'été s'écoule doucement, rond. Le temps s'affaire mollement. Non, je ne verrai pas la jeune pousse. Non, pas plus que la mer qui la pousse. Non, leurs printemps rouleront sur moi. Rond, si longtemps que l'on m'oubliera. Rond, le soleil qui s'abat sur elle. Le chemin bien trop long pour elle. Non, il ne me poussera pas des ailes. Non, pour aller voir en ses dentelles. Non, cet été n'est pas le dernier, non, que je passe au loin des pommiers. Oui, la primevère aura passé, non, elle ne me reviendra jamais. Mais si je reste un peu au frais ici, si
Je dors dans mon réduit de nuit. Si je rêve d'elle et que je m'enfuis, oui, je la retrouve en paradis. Oui, je la retrouve, elle me sourit. Oui, je la retrouve. Octobre 2011, marchant cet après-midi sur la plage, j'ai croisé une adolescente en pleurs qu'une jeune fille du même âge s'efforçait de consoler. Je dis en pleurs, mais elle ne l'était plus tout à fait. De ces expressions démunies qu'affichent les enfants entre deux sanglots, j'ai ralenti mon pas, fasciné par cette vision. Michel. J'ai vu Michel dans une douzaine d'années. Je ne saurais trop expliquer pourquoi, mais c'était elle, par avance. Son ami, un mouchoir en papier dans le poing, la faisait répéter, l'adolescente balbutiait de courtes réponses, et son visage sur lequel se lisait le découragement m'a pincé le cœur. Je suis rentré à la maison, et j'ai aussitôt composé le numéro de Junon. Toujours là-bas ? J'ai confirmé. J'appelais pour l'anniversaire de Michel. Elle va bien ? Ah ben justement, j'allais t'en parler. Me parler de quoi ? Ai-je répliqué avec appréhension. Bah, si tu restes encore un peu à Villerville, accepterais-tu de la prendre pour les vacances ? Je suis resté interdit. Je pourrais te l'amener le 22, samedi prochain, quoi. Attends, Junon, tu veux me la laisser ? Mais pourquoi pas ? C'était oui par avance, évidemment, c'était oui. Mais toi, tu viendrais un peu aussi ou... Junon a parfaitement compris à quoi je faisais allusion. Non, tu sais bien, je te l'amène. Et voilà. J'ai raccroché... Parcouru d'une vigueur retrouvée à l'idée d'accueillir Michel une semaine ici, et conscient que je cédais une fois de plus au fantôme d'un amour disparu. À propos de son roman Détour, René Crevel écrit cette phrase modeste : J'ai déposé mon bilan. Telle est sans doute la vocation de ma petite entreprise normande. Déposer mon bilan, le premier. Regarde ce vieil amour boiteux, comme il se traîne et comme il penche. C'est comme un vieil arbre noueux, tout aussi raide, tout aussi creux. Regarde ce vieil astre fumeux, comme il est tiède, comme il est pâle. Il ne brille plus de tous ses feux, comme il est faible, comme il est vieux. Notre amour n'a plus que la peau dessus les os. Notre amour n'a plus que la peau. Comme un vieux cheval fourbu, plus de galop, vois comme il peine. À mon avis, il est foutu, faudrait l'abattre, il n'en peut plus. Qu'il finisse les quatre fers en l'air, c'est sans regret et sans remords. Qu'on le couchera dessous la terre, à l'ombre du grand sycomore. Notre amour n'a plus que la peau dessus les os. Notre amour n'a plus que la peau.
notre amour n'a plus que la peau. Il en viendra un tout nouveau, un qui est tout beau, sous la lumière. Et nos cœurs brûleront à nouveau, on ne chantera pas de sitôt. Notre amour n'a plus que la peau au-dessus des eaux. Notre amour n'a plus que la peau. À suivre dans le livre et dans le prochain album de Bastien. Merci d'être venu. Bonsoir. Arnaud Catherine. Bastien l'Allemand. Et merci à la médiathèque. Bonne soirée. On va voir s'ils veulent bien revenir nous parler. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire derrière le rideau. Bravo encore. J'étais déjà à l'apéro. Oui, j'avais oublié que peut-être on parlait, ouais. Je me préparais à enfiler le manteau pour l'apéro, tout ça. Ça va venir, ça va venir. Pardon. Est-ce que vous avez des remarques, des questions à poser à Bastien ou à Arnaud ? C'est pas évident, je sais. Non, c'est pas évident. La réponse est non. J'avais juste une petite question, peut-être pour présenter. Nous, on n'a pas forcément l'habitude de voir des lectures musicales. Je sais que l'un et l'autre, c'est un genre que vous affectionnez particulièrement. Oui. Bastien, il est plutôt en mode allongé. Oui. Il va nous raconter ça tout à l'heure. Peut-être Arnaud, tu peux nous dire quelques mots sur l'histoire de Frères Animal, puis l'intérêt aussi qu'il y a à partager, à mélanger les genres et puis à peut-être sortir de la solitude de l'écrivain dont on sait qu'elle est pesante. Oui, t'as tout résumé, absolument tout résumé. Non, en fait, moi j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais ado, parce que mon grand-père était facteur d'orgue et organiste, il m'a appris le piano et j'aurais bien aimé faire de la musique ma vie, mais j'ai bien vu que, tu vois, voilà, je pianotais. Bon, ensuite est arrivée l'écriture et puis j'ai écrit quand même... Voilà, une dizaine de livres pour adultes, la même chose pour adolescents, donc j'étais déjà bien occupé. Et écrire des livres, c'est déjà des heures et des heures et des heures de travail. Et puis il se trouve que grâce au festival littéraire qui se développe de plus en plus en France, j'ai eu la chance de rencontrer des chanteurs et des musiciens, que je suis devenu ami avec certains, tel Bastien, tel Florent Marchais avec qui je bosse beaucoup. Et voilà, moi j'avais assez envie de revenir à la musique. J'étais assez désireux, même si j'aime la solitude de l'écriture, de sortir à certains moments de cette écriture. Et ces chanteurs que j'ai rencontrés, eux, ils étaient à un moment où ils se prenaient vraiment dans le visage la crise du disque, où il faisait très très froid dans leur milieu, et où ils étaient très preneurs de collaboration, y compris avec des artistes qu'ils n'avaient pas l'habitude de côtoyer, tels les écrivains. Et puis il se trouve que toute cette famille de chanteurs, ce sont des grands lecteurs, ce sont des gens qui fréquentent beaucoup la littérature. Et moi, de mon côté, si je pense à des camarades comme Olivier Adam ou des gens de ma génération, on écoute énormément de chansons françaises. Et tout d'un coup, en quelques années, ça s'est fait, des collaborations un peu dans tous les sens, pour le meilleur, je trouve. Enfin, je parle des autres, là. Mais voilà, les écrivains ont commencé à réinvestir cet endroit qu'ils ont fréquenté il y a des décennies et des décennies, à savoir la scène. On a oublié ça, hein. Pendant un moment, on ne voyait les auteurs que derrière des tables. Mais bon, à l'époque de la poésie sonore, à l'époque de Boris Vian, que sais-je, on pourrait remonter plus en amont, les auteurs ont fréquenté la scène, ont fait usage de leur voix et de leur corps. Donc ils se sont remis à fréquenter la scène grâce
à ces collaborations avec des chanteurs, avec des musiciens. Et donc il y a des formes comme celle que vous venez d'entendre, qui est une forme très acoustique, très intime. Et dans un autre registre, oui, il y a Frère Animal que tu évoques, qui est le spectacle que j'ai monté avec Florent Marché, là qui était plus, voilà, on était plusieurs sur scène. C'était une sorte de conte social et musical. Et j'adore ça. Et voilà. Et maintenant, j'aime que dans ma vie, il y ait des moments réservés à ces collaborations. J'aime bien. Voilà. C'est pas très compliqué ce que j'ai à faire, mais j'aime bien chantonner. Et puis voilà. Et puis, la dernière chose, et je laisse parler Bastien parce qu'il a sans doute un ou deux trucs à dire. Mais c'est que la grande chance de ça, c'est que moi, je suis un peu un midi-nez. Je suis un grand admirateur d'auteurs, évidemment, mais de chanteurs et de chanteuses. Et ça me permet de rencontrer mes idoles. Et ça, c'est génial de rencontrer ces idoles. C'est un peu comme nous quand on invite des gens à la bibliothèque. Oui, enfin, ça dépend, non? Des fois, on rencontre des idoles et on est assez déçus. Mais non, et ça, c'est particulièrement agréable, voilà. J'y ai pensé le jour où j'ai eu la chance de faire un duo avec Jeanne Chéral au Café de la Danse. Je me disais, mais tu te rends compte que tu es en train de chanter avec une de tes idoles? Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas bouder. Voilà, je raconte des choses sinistres dans mes livres, mais à côté de ça, j'aime bien ne pas bouder ces plaisirs de la vie. Moi, je pourrais dire je peux dire la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que, c'est, comme le disait Arnaud, c'est vrai que cette espèce de famille de musiciens, d'amis avec qui je travaille, qui sont des gens comme Albin de la Simone, Bertrand Belin, J.P. Nataf, c'est beaucoup plus large que ça. On s'est effectivement resserré parce qu'il commence à faire très très froid dans nos métiers. Les uns et les autres étions tour à tour évacués de maisons de disques, sortis, et puis les dates, il y avait de moins en moins de concerts. Donc on avait besoin, c'était un peu le syndrome du pingouin, de se serrer très fort, de se réchauffer et surtout de réinventer nos modes de diffusion. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, on n'avait plus accès aussi souvent que nécessaire à la scène, à un public. Et du coup, c'était à nous, tout d'un coup, de réinventer, de trouver de nouveaux lieux pour jouer. C'était par exemple les concerts en appartement ou de trouver de nouveaux territoires tels que, en tout cas pour moi, ça a été les festivals de littérature à partir du moment où, ayant sorti en 2010 un album qui s'appelait Le Verger, c'est un album qui était très inspiré de mes lectures, notamment de lectures de romanciers américains et de romans noirs. Et du coup, tout d'un coup, il y avait un pont naturel entre les chansons, mes chansons, mais celles des chanteurs dont j'ai parlé précédemment, et cette génération d'auteurs qu'on pouvait tout d'un coup rencontrer et avec qui on avait envie, on pouvait faire des choses. Et l'idée, dans cette idée de réinventer des modes de diffusion, j'ai eu, c'est pour ça que tu parlais d'être allongé, j'y viens, je me suis dit un jour, comment j'aimerais moi écouter vraiment les chanteurs, autrement, que j'adore aller sur scène et jouer sur scène et aller voir des artistes sur scène, mais comment j'aime encore plus que tout les voir, c'est être comme s'ils étaient dans mon salon, chez moi. Et plus encore, si je pouvais faire la sieste et puis qu'on me jouait des chansons, j'adorerais. Alors j'ai initié ça avec une bande de copains chanteurs. Je les ai invités à nous réunir et de proposer au public, dans des petits théâtres, des petits lieux, de venir s'allonger pendant une heure et nous, on croiserait notre répertoire sans qu'il y ait d'applaudissements, sans qu'il y ait d'enjeux de scène. Donc les gens peuvent dormir, ça s'appelle les siestes acoustiques, et les gens peuvent dormir pendant une heure ou ne pas dormir, écouter, ne pas écouter. Et on a commencé comme ça il y a 5 ans, et maintenant on en fait tout le temps, parce qu'on y a pris vraiment goût. Le public qui assiste aussi, visiblement, parce qu'il revient à très nombreux à chaque fois. Et puis, c'était aussi l'occasion de faire des laboratoires, c'est-à-dire de à la fois réinventer nos répertoires respectifs, mais aussi inventer des formes qui n'étaient pas celles de la musique, par exemple des auteurs. Et moi qui suis grand lecteur, c'est vrai que c'était pour moi l'occasion d'inviter des gens que je lisais ou des gens
de les rencontrer, de les lire après. Et donc on a fait avec Arnaud, mais avec beaucoup d'autres, des siestes acoustiques qui mélangent à la fois le texte, un peu comme on a fait aujourd'hui, et puis les musiques, et en essayant quelquefois de trouver des résonances entre nos chansons et puis le texte d'un tel ou d'un tel. Voilà, c'est les siestes acoustiques. Et on est, enfin nous, on n'est pas allongés, mais... Imaginez, vous venez de passer une heure et vous êtes allongé et certains se sont endormis. D'ailleurs, j'en ai vu, il y en a qui dormaient. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est assez... Moi, je suis assez ému de... Enfin, je ne dis pas que ça va révolutionner la face du monde, dans ce monde en plus où on sait ce qui se passe en ce moment, mais... je suis assez ému d'assister à ce moment où des artistes qui ne travaillaient pas ensemble se mettent à travailler ensemble. Parce que moi, je suis resté très nostalgique d'une époque que je n'ai pas vécue, mais qui m'a fait rêver. C'est l'entre-deux-guerres, c'est les années 20, où Cocteau travaillait avec Satie sur une pièce de machin. Enfin, ils étaient tous boulevard du Montparnasse. On a beaucoup parlé du Montmartre, mais il y a eu le Montparnasse. Ils étaient tous plasticiens, peintres, musiciens, auteurs, à travailler ensemble. Et ça avait un petit peu disparu quand même. Et voilà, avec nos petites forces motrices, on essaye d'insuffler quelque chose de cet ordre. Je ne sais pas si on restera dans l'histoire artistique au même titre que ces noms que j'ai cités, mais en tout cas pour nous, c'est hyper agréable à faire. Et puis on se dit que du coup, on bouscule un tout petit peu les formes aussi, d'une certaine façon, parce que accompagner, mettre en regard du texte avec de la chanson, voilà, peut-être ça donne une perception différente des deux. Donc c'est éludique et assez important, moi, je trouve. Voilà, que c'est comme quand tu dis que la mixité est importante, etc. C'est vrai, on se régénère à se mixer. Oui, moi je voulais juste rappeler d'abord que votre présence ici clôture aussi le goût des mots, qui est une manifestation donc, qui a commencé en décembre. Ce que vous disiez là à l'instant m'a fait penser aussi à ce qu'on a vécu au mois de janvier avec une nuit de lecture où on était alors sur des transats, mais on a testé deux transats. Ça permet vraiment d'être dans un confort et dans une position allongée. Et cette nuit de lecture, c'était toute une nuit, hein, avec donc un lecteur public, peut-être que vous connaissez, qui est à Paris, qui s'appelle Marc Roger, et qui a lu le livre de Céline Minard, « Faillir être flingué », accompagné d'un musicien, Thierry Brizac, qui a créé cette ambiance Far West. Et donc, ce qui a été vraiment formidable, c'est que ça a duré toute la nuit, avec des pauses, évidemment, pour boire du café, et manger, etc. Où on pouvait s'endormir aussi, parce qu'on retrouve ce plaisir d'écouter de la lecture, et puis de se laisser porter, de lâcher un peu son attention, d'être dans cet entre-deux. Et en même temps, c'est vrai que nous, notre idée et peut-être notre conviction, c'est que ce genre de choses, et ce que vous avez fait ce soir, ça peut amener des gens à la lecture ou à la chanson, je ne sais pas, ou les deux. Mais c'est vrai qu'on est plus, on parle plus de ce besoin de ramener les gens à la lecture parce que justement, ça permet de sortir de ce côté un peu académique. Et je ne sais pas si vous l'avez... vérifier, puisque vous le faites souvent, est-ce que devant des jeunes, puisqu'on dit que c'est eux qui lisent moins, mais est-ce que vous avez l'impression que ça marche, que du coup, ça permet de démystifier un peu et puis de donner une autre vision? L'apport de la musique sur la littérature, c'est ça. Il y a une démystification. Tout d'un coup, c'est pas une chose sacralisée et ennuyeuse. Enfin, dans un certain nombre de cas, en tout cas. Donc ça, c'est sûr, ça désacralise. Et moi, je l'ai souvent vu, quoi, des gens qui me disent « j'ai découvert vos livres par Florent Marché ou Bastien Lallemand », ou alors des lecteurs à moi qui découvrent tel ou tel chanteur parce qu'il y a telle lecture musicale. Donc ça décloisonne aussi. Voilà. Et ça, c'est toujours bon de sortir de nos cases et de se rencontrer. Voilà. Moi, je crois que tout ça est très sain à faire. C'est exactement ça, c'est rencontrer aussi un public. Le problème, dès qu'on a des arts qui sont cloisonnés, c'est... Moi, si je m'en tenais à jouer dans les salles de musique actuelle, je n'aurais jamais que... Enfin, toujours le même public. Et c'est vrai que le fait d'être sur des festivals de littérature, mais pas seulement aussi, les démarches d'aller dans la médiathèque, parce qu'on fait ça depuis plusieurs années, c'est aussi aller voir un public qui ne viendrait pas
spontanément forcément sur des salles de rock avec des concerts amplifiés. C'est aussi une autre manière de faire entendre ces chansons, c'est-à-dire qu'on n'est tout d'un coup pas dans un format guitare, basse, batterie, voilà. Tout d'un coup, on fait un choix de texte très en avant, de nudité, de voilà. Donc, je trouve ça intéressant, oui, de rencontrer d'autres publics. Et un public, bah, je pourrais être ce public aussi. Je suis aussi lecteur, voilà. Y compris dans des lieux d'ailleurs inattendus. Moi, j'ai mené deux projets en hôpital psy, un à Bron. C'était une commande de l'Opéra de Lyon, où j'ai monté un spectacle avec d'autres. Il y avait un musicien, un vidéaste et tout ça, avec des autistes, un groupe d'adolescents, une vingtaine. Donc un spectacle qu'on a donné pendant un festival, dans du in, comme on dit, avec 20 mômes sur scène. Un spectacle qu'on avait travaillé un an et demi. Et puis là, j'ai refait une expérience semblable à Dijon. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a amené de la littérature, des ateliers de littérature, des ateliers de musique, improvisés ou pas, dans des lieux qui sont supposés être des forteresses où on ne peut pas rentrer, mais où en fait les grilles sont ouvertes, bien heureusement. Donc voilà, il y a tout ça qui... ça bouillonne en ce moment de partout. Il y a des espèces de coupes budgétaires qui nous inquiètent tous et un démantèlement parfois des associations qui est hyper inquiétant. Mais de l'autre côté, il y a plein de gens dans les institutions, dans les assos, dans les médiathèques, dans les festivals et des artistes qui du coup, devant cette menace, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais vous aviez froid, mais du coup quand on a froid et qu'on fait les pingouins comme tu dis, je pense que dans l'urgence on est d'autant plus, on a envie d'inventer. Et je pense que si les auteurs et les chanteurs ne se rencontraient pas, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, s'ils ne se rencontraient pas pendant les années 80, c'est parce que la variété allait très bien et que pour les auteurs ça allait assez bien aussi. Et tout d'un coup... on se sent très seul et on se dit on ne peut pas se contenter de n'être que soi et il faut inventer ensemble et voilà, et d'un point de vue artistique c'est un enjeu qui est vachement intéressant parce qu'on se dit qu'au niveau des formes et tout on va peut-être pas inventer le nouveau roman, hein, on est d'accord, on n'est pas Robe Grillée, on n'est pas Sarraute, mais voilà, on invente des formes à notre auteur pour présenter des textes, des chansons. Ouais. C'est assez exaltant, quoi. Et devant, je rappelle, des publics très différents. Il y avait un festival à Limoges qui s'appelait Les auteurs vivants ne sont pas tous morts. C'est pas mal, ça. Voilà, donc on est dans cette thématique, il me semble. Effectivement, il faut toujours rappeler... J'ai souvent eu à dire ça aux adolescents quand je faisais des interventions en classe et que je les voyais me regarder passer comme ça. Eh oui, je n'ai pas 124 ans. Ça existe aussi des auteurs qui ont 35 ans, désolé. Non, mais c'est vrai, c'est des réalités qu'il faut rappeler parfois. Bah, merci en fait de l'avoir fait pour nous ce soir. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Sinon, je vous laisse peut-être discuter informellement avec Arnaud si vous souhaitez découvrir ses livres. La librairie Page et Plume est là ce soir. On n'a malheureusement pas les CD de Bastien, mais son prochain album sort dans un mois. Le 2 mars. Son nom, son titre, le titre de l'album. La maison haute. Je peux le dire pour toi si tu veux. Hein, c'était un trou. La maison haute. Moi, j'ai eu la grande chance de l'écouter et il est formidable. Et il y a un certain nombre de chansons que vous avez entendues ce soir, mais là, qui sont arrangées autrement, puisqu'il a fait ça à plusieurs sur le disque. Voilà. Et Arnaud, ton prochain roman sera également... C'est pas un roman. Pardon. Mais c'est pas grave, tu sais pas, on en a pas parlé. Ça sort le 2 avril, ça s'appelle Pas exactement l'amour, et c'est un recueil de nouvelles sur l'amour, enfin pas exactement l'amour. C'est voilà. Quand même un recueil de nouvelles. C'est exactement un recueil de nouvelles. Merci à vous. Merci à vous. Merci.